Salut la team pelote, aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé cette sublime petite robe, je suis carrément fan. Elle est très simple à faire, hein. Vraiment c'est une succession de brides et de mailles en l'air, donc vraiment c'est hyper simple et accessible à tout le monde. Je vais vous indiquer systématiquement à l'écran les tailles, les données pour chacune des tailles, puisque ça va aller de la taille 1 an à la taille 6 ans. Donc je vous montrerai au fur et à mesure, je vous écrirai pardon, au fur et à mesure ce que vous avez à savoir selon la taille que vous avez choisi de faire. Et je vous montre ça tout de suite, c'est parti! Pour cette jolie robe, je vais utiliser le fil Serena de chez Serena Crea. C'est pas la première fois que je l'utilise, c'est un petit peu mon coup de cœur actuel. J'aime beaucoup ce fil qui a donc ce petit reflet. Donc il y a pas mal de couleurs hein, sur leur site. Je suis en partenariat avec eux et vraiment ce fil c'est un peu mon fil fétiche. Donc je vous indique sur l'écran les quantités préconisées pour chacune des tailles. Je vais utiliser un crochet numéro 3, un mètre de couture, les petites aiguilles, quelques marqueurs et la paire de ciseaux. Et pour la taille 6 ans, je vais commencer par faire une chaînette de 96 mailles. J'ai donc mes 96 mailles, je vais venir faire ma première bride dans la quatrième maille. Après mon crochet, donc 1, 2, 3, 4, je vais venir piquer ici, je vais venir faire une bride dans cette quatrième maille. Donc une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Je vais sauter deux mailles, 1, 2, dans le troisième espace, je vais venir faire une maille en l'air, une bride. Je vais sauter deux espaces, 1, 2. Dans le troisième espace ici, je viens faire une bride, une maille en l'air, une bride. Je saute deux mailles, 1, 2, troisième maille, je fais une bride, une maille en l'air, une bride. Je vais continuer comme ça de la même façon, 1, 2, troisième maille, une bride, une maille en l'air, une bride. De cette manière, on va avoir des V. En fait, ça va former des V. Donc, on saute deux mailles et dans la troisième, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, vous allez aller tout au bout de votre rang et si vos comptes sont bons, à la fin, il vous reste deux mailles et on se retrouve, je vais vous montrer comment faire avec ces deux mailles restantes. Je suis à la fin de ce premier rang. Comme convenu, il me reste deux mailles à la fin. Je vais sauter cette maille, je vais dans la dernière et je fais tout simplement une bride. Je vais passer au rang 2. Pour le rang 2, je fais deux mailles en l'air. Je tourne mon travail. Là, je vais faire la même chose, sauf que j'ai plus besoin de compter. Je vais juste venir mettre mes V dans les V du rang précédent. Donc dans mon premier V ici, je vais faire donc une bride, une maille en l'air et une bride dans le même espace. Je saute au V d'après, une bride, une maille en l'air, une bride. Le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. J'arrive sur mon dernier V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et pour finir mon rang, je vais faire une bride dans mon tout premier espace ici. Vous vous souvenez, on avait fait 3 brides finalement dans le démarrage. On vient caler une bride ici. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Et c'est reparti. Bride, une maille en l'air, une bride. Le V suivant, bride, maille en l'air, bride, etc., etc. Donc, ça c'est donc le panneau avant. Et on va le monter. Alors, on va dézoomer un peu. Ce panneau là, qui pour moi fait une 30aine de centimètres, je vais le monter progressivement en répétant la même chose. Je vais le monter sur 28 cm avant de faire l'encolure. Donc là, vous allez suivre les instructions que je vous mets à l'écran. C'est donné à titre indicatif, hein. Vous pouvez aussi adapter à l'enfant en prenant ces mesures. Tous les enfants ne se ressemblent pas. Donc, moi, je vais monter sur 28 cm et je reviens pour l'encolure. J'ai donc fini ma première partie, je vais repartir pour le dos cette fois-ci. Donc j'ai déjà marqué mon encolure et je vais vous mettre les indications à l'écran. Entre-temps, ma petite nièce à qui est destinée la robe est passée. J'ai revu un petit peu à la baisse, je suis passée sur du 5 ans pour elle. Donc ne vous fiez pas aux marqueurs que j'ai mis, je vous indique toutes les tailles à l'écran. Là où vous placerez vos marqueurs, pour marquer les épaules en taille 6 ans, parce que moi je suis passée sur la taille 5 ans. Peu importe, de toute façon, je vous ai tout marqué. Donc j'ai fait la hauteur désirée, et donc là, on va monter les épaules. Donc pour les épaules, on va zoomer un petit peu. Hop. Je reprends exactement comme on fait depuis le départ. Donc, mes points en V. Ici, j'ai le marqueur entre 2 V qui va donc marquer mon encolure. Entre mes deux marqueurs, pour ma part, pour la taille 5 ans, j'ai donc 60 mailles. Je vais donc faire une chaînette de 60 mailles. Je vous indique tout à l'écran, taille par taille. Donc, je monte 60 mailles. Je vais juste après mon marqueur, ici, premier point V, et bien je repars de façon tout à fait normale sur mon point, comme depuis le départ. Je refais une bride, une maille en l'air, une bride. Le V suivant, le V qui suit, le dernier et ma dernière bride tout au bout ici. 2 mailles en l'air, je repars tout à fait normalement comme on a fait depuis le début. Et ici, on va donc venir travailler la chaînette. Donc, on va faire comme on a commencé notre devant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en bas, on faisait notre point V tous les 3 points. Donc, on sautait 2 mailles et on faisait notre V dans la 3e maille. Là, sur la toute première maille, on va sauter la toute première maille et on va faire notre V dans la 2e. Et maintenant, on va sauter 1, 2, on vient dans la 3e, on fait notre V, un, 2, 3e maille, de nouveau notre V, et on va aller au bout de notre chaînette jusqu'à ce qu'il nous reste une maille, puisqu'au début à la fin, on sautera une maille. Donc on fait toute la rangée comme ça. J'ai fait le dernier point au V, il reste une maille, je passe au V de l'épaule. Et on reprend exactement de la même façon qu'au départ. Je finis par la bride, 2 mailles en l'air, je retourne et je peux donc commencer mon autre rang. J'ai donc récupéré tous les V que j'avais de l'autre côté. Il va falloir donc compter toutes les rangées que vous avez fait ici pour avoir la même chose de l'autre côté, et comme ça vous aurez le dos, puisqu'en fait après il suffit de plier comme ça, on a l'encolure, les deux épaules. Donc je vous laisse faire le dos et on se retrouve après pour les emmanchures. J'ai donc mes 2 longueurs identiques, devant comme le dos, l'encolure. J'ai mis des marqueurs ici donc pour la taille 5 ans, parce que je vous rappelle que je suis revenue sur une taille 5 ans, je les ai mis à 13 cm des épaules. Je vous indique à l'écran à quel moment vous les mettez. Vous rejoignez bien les 2 morceaux devant, derrière, puisqu'on va coudre en bas les 2 côtés. On fait bien attention que ce soit aligné à la même hauteur pour avoir des emmanchures parfaitement identiques. Alors, pour la couture, ça va être une jonction sur l'envers. Sur l'envers, c'est-à-dire qu'une fois que j'aurai rejoint les 2 côtés, je vais retourner le travail. Donc, vous allez vous interroger sur où est le devant, qu'est-ce que l'envers, qu'est-ce que l'avant sur du crochet? Et ben moi j'ai coutume de dire que c'est le côté qui vous plaît le mieux. Voilà, tout simplement. Autant il y a des fois ça se voit énormément et c'est flagrant, autant parfois choisissez le côté qui vous convient le mieux. C'est ce que je viens de faire, faites la même chose parce que de toute façon vous êtes sur 2 panneaux identiques. Donc pour l'instant, pas de différence. Donc là moi je considère que ça, ce sera l'envers. Je vais donc joindre les 2 côtés, donc ici et ici. Je vous montre comment procéder, donc ça va vraiment être du face à face. Je vais faire en sorte que ce soit le plus simple possible pour vous à la caméra. Alors, on va prendre ici, on passe notre crochet dans le premier espace et on fait une première maille serrée, on repasse dans le même espace et on fait une seconde maille serrée. Espace suivant, des deux côtés, une maille serrée, une deuxième maille serrée. L'espace suivant, hop, d'un côté, l'espace suivant sur la face de l'autre côté, une maille serrée, une seconde maille serrée. Et on va faire comme ça tous les espaces, donc rang par rang, face à face, on va rejoindre nos deux morceaux en faisant deux mailles serrées par espace. En faisant bien attention, quitte à vérifier que vous êtes bien en face. Parce que selon la façon dont on tient ces morceaux, on pourrait vite se décaler. On monte comme ça jusqu'au marqueur. On arrive à la maille dans laquelle il y a le marqueur. On va juste faire une maille coulée. Donc hop, on attrape ici et on fait une maille coulée. Je vais tirer un peu le fil. On va se laisser une petite marge. On va venir le couper. Je vais passer le fil dans la boucle. Je tire. Ce côté est terminé. On va faire de l'autre côté. Je vous montre quand même ce que ça donne de ce côté-là. Voilà. On passe donc de l'autre côté. Donc mettez-vous bien dans ce sens-là, puisque vous allez crocheter, en tout cas si vous êtes droitier, de la droite vers la gauche. Donc pensez bien à repartir dans le bon sens. Et ne pas mettre votre travail comme ça, parce que là, on va rattacher ici, puis vous allez être bloqué, en fait, pour avancer ici. Donc, ici, on va faire un nœud coulant. Je ressors mon crochet. Je vais réunir mon premier pan. C'est bien ici. Mon premier pan et mon deuxième pan. Je récupère ici mon fil. J'en profite d'avoir les deux brins comme ça. Je vais bloquer le fil par un nœud coulant. Donc comme ça, c'est fait, ça ne bougera plus. On le rentrera plus tard. Je fais une maille serrée. Une maille serrée. Pas très belle celle-ci. Un peu dédoublée. Une maille serrée, je passe dans l'espace d'à côté, en faisant gaffe d'être bien face à face, une maille serrée, une deuxième maille serrée, espace suivant, une maille serrée, seconde maille serrée, et comme on a fait tout à l'heure, on va aller jusqu'au marqueur. J'arrive donc là où il y a mon marqueur, et je fais comme on a fait de l'autre côté, juste une maille coulée. Donc on a fini nos coutures, je coupe de la même façon, je sécurise en passant mon fil ici, je peux même déjà enlever les marqueurs. Et on va retourner tout ça. On en est donc là. Voilà. Nos emmanchures, nos encolures, nos emmanchures. Donc à ce niveau-là, si vous souhaitez, vous pouvez considérer que vous avez fait un top pour enfants. Et donc, soit vous en arrêtez là d'ailleurs. Mais là, je vais vous montrer comment faire des finitions plutôt sympathiques et plutôt girly sur les manches. Donc, je vous montre ça. Ça pourra rester un top. Sinon, on continue et on aura une robe. Donc là, on va s'occuper des manches. Donc, pour les manches, on va faire des petits volants. Alors, je reprends une autre bobine de fil, une autre pelote, je fais un nœud coulant, je sors, je viens me caler là, dans la couture de tout à l'heure, le nœud, je vais rezoomer, le nœud coulant de tout à l'heure, je me cale là, et j'y passe mon fil. Pour sécuriser tout ça, ma première maille en l'air, je vais la faire avec les deux fils. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et je vais venir faire mes V dans chacun des espaces ici. Je vous montre, on refait des V comme tout à l'heure. Donc une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. L'espace d'à côté ici, idem, une maille en l'air, une bride, décidément, une maille en l'air, une bride. Ici, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc le point de V qu'on a fait depuis le départ, on va le caler dans la première maille, dans chacune des premières mailles de nos emmanchures. Donc globalement, on aura un V par rang finalement. Donc on fait tout le tour comme ça et on va pouvoir continuer l'emmanchure. Dernier espace, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Je viens faire une maille coulée ici. Vous vous souvenez, on avait fait 3 mailles en l'air au départ. On fait une maille coulée ici. On fait 3 mailles en l'air. Et à partir de là, on va venir mettre 7 brides dans chacun des V qu'on a pu faire là en faisant tout le tour de notre manche. Donc 7 brides par V. Donc, je vais faire le premier pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et 7. Donc on va avoir ça. On passe directement dans l'espace suivant. Et pareil, on fait une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va donc former notre petit volant autour de notre emmanchure. Donc on y va comme ça, on fait ça dans chaque espace, dans chaque V. On fait le tour et on se retrouve. J'en suis à la fin. Je vais donc fermer ici, donc en passant dans l'espace de tout à l'heure. Je fais une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air. 3. Et donc ces 3 mailles en l'air vont servir de première bride. Et donc je vais en caler 6 ici dans cet espace. Ce qui m'en fera 7 au total du coup. Et la dernière pour avoir 7 brides. Ici, je vais aller faire une maille coulée dans la 4e maille. 1, 2, 3, 4. Donc celle du milieu, je fais une maille coulée. Et dans l'espace entre mes deux groupes de 7 brides du tour précédent, je vais remettre 7 brides. une maille coulée dans la quatrième, 1, 2, 3, 4. Je repasse ici entre les deux groupes de cette bride du tour précédent et je refais cette bride. Et je vais faire tout le tour comme ça. J'arrive donc sur la fin, je vais passer ma première maille coulée comme j'ai fait tout le long et je vais fermer le tour en venant faire une maille coulée ici. Vous vous souvenez les trois premières mailles en l'air de départ, on fait une maille coulée ici, on ferme, hop, et on va venir couper le fil. Donc là, j'ai terminé la première manche. On va procéder exactement de la même façon pour la seconde manche. Donc, je vous rappelle, vous faites un premier tour de V, donc ce qui va servir d'armature en fait. Le premier tour de volant, le second tour de volant. Et on a ce résultat, ce petit frou-frou ici. Donc je vous laisse faire la deuxième manche, je fais la mienne également. Et on revient pour la suite. La seconde manche est donc terminée. On a tout le haut de la robe. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là. Vous avez un top qui est plutôt sympa, je trouve. Il est très joli. Et donc... plutôt simple à faire, vous avez vu, rien de bien compliqué. Pour celles et ceux qui veulent continuer, on va continuer pour le bas et transformer tout ça en robe. Donc là, vous avez un certain nombre de V de chaque côté, selon la taille que vous avez fait, selon votre manière de crocheter. Donc en fait, vous allez compter ces V et vous allez les diviser par deux. Donc moi, j'en ai 28 au total, et donc je vais compter jusqu'à 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais venir placer mon crochet entre les deux et je vais venir y mettre mon nouveau fil, donc en faisant une maille coulée, on va zoomer un petit peu, on va passer directement ici et là on va se trouver en fait au milieu du dos de cette robe. On va monter 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et à partir de là, donc dans chacun, donc là on est bien entre deux V, dans chacun des V du premier tour, on va mettre un V. Donc faites bien attention à être entre les deux V et pas vous retrouver dans l'espace intermédiaire. Donc là, premier V, pardon, je mets en V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Cet espace-là, c'est l'espace intermédiaire. Je passe dans le V suivant. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et je vais faire ça tout le long. Tout le tour, je vais faire ça. Je vais juste vous montrer deux petites subtilités. Donc, vous allez faire votre tour entièrement comme ça avant qu'on puisse commencer les augmentations. Quand vous allez arriver à la couture, là, vous avez un V de chaque côté, vous passez de l'un à l'autre. Mais à l'avant, les V vont être dans un sens, et à l'arrière, les V vont être dans l'autre sens, en fait. Donc, ne vous trompez pas. Quand vous allez arriver, là, vous voyez, les V, ils sont la pointe vers le haut. Et quand vous allez arriver là, les V auront la pointe vers le bas. Pensez-y. Souvenez-vous qu'on a fait un travail... sans couture en fait, donc on a avancé progressivement dans notre point, donc il s'est inversé le point, donc n'oubliez pas. Donc quand vous arrivez à la jonction, la couture qu'on a fait tout à l'heure sous les bras, vous passez d'un V à l'autre, donc de celui-ci globalement à celui-ci, et du coup on s'aperçoit qu'ils changent de sens ces V là. Donc là, la pointe du V est vers le haut, la pointe du V de l'autre côté sera vers le bas. Vous faites tout le tour et on se retrouve ici. Comme ça, je vous montre pour les augmentations. J'arrive à la fin du tour. Dernier V et je ferme ici en faisant une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air, je retourne le travail et là on va faire nos augmentations. Donc dans chacun des V, je vais venir faire un V, une maille en l'air et un autre V. Donc je mettrai 2 V dans chacun de mes V du tour précédent. Donc tout va être doublé. Donc le premier V, une maille en l'air de séparation, le deuxième V. Et on va faire ainsi tout le tour. J'arrive à la toute fin de ce tour d'augmentation. Des tours d'augmentation, il n'y en aura qu'un seul. Je vous montre la suite immédiatement. Alors, hop, mon deuxième point V. Je viens fermer ce tour en faisant une maille coulée. Ainsi, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne le travail. Et en fait, en créant mes augmentations, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça vous donne en fait 3 V maintenant. 1, 2, 3. Et bien, je vais venir mettre un V dans chacun des V. Donc, à chaque fois, on va se retrouver avec 3 V dans chacune des augmentations du tour précédent. Voilà, donc j'avais un V, un espace, un V. Ben là, je suis venue mettre un V dans le premier V, un V dans l'espace et un V dans le troisième espace. Et je vais continuer comme ça à faire des points V dans tous mes points V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Je pense que depuis le début, ça s'est bien rentré. Vous voyez que c'est assez rapide. Et donc, vous allez faire tous vos tours comme ça jusqu'à obtenir la longueur désirée. Donc, à chaque fin de rang, vous venez passer une maille coulée dans les 3 mailles en l'air de début de rang. Vous refaites 3 mailles en l'air, vous tournez le travail et vous repartez à faire vos V. Et ça, vous allez faire ça jusqu'à la longueur désirée. Moi, je vous mets à l'écran une indication de longueur par rapport aux âges, mais vous pouvez faire une robe plus longue, plus courte, c'est vous qui voyez. Moi, la longueur que je vous indique, c'est juste au-dessus du genou. Voilà, donc c'est la longueur que moi je vais faire, mais si vous souhaitez faire plus court ou plus long, vous pouvez. Donc là, il y a un petit peu de boulot, vous allez faire tous vos tours jusqu'à obtenir votre longueur, et on se retrouve pour la finition. Et bien ça y est, j'ai atteint ma longueur souhaitée. Vous voyez, ça commence à prendre forme. On va venir faire le dernier rang de finition. Donc ici, je viens de finir mon rang de V. Je vais faire 3 mailles en l'air. Je vais retourner le travail. Et je vous montre. Alors, dans le V, vous allez faire 2 brides. On va zoomer un petit peu. Dans chacun des V, on aura 2 brides. Et dans les espaces intermédiaires, une seule bride. Donc, je commence avec une bride. Là, on a un V, je fais 2 brides à l'intérieur, plus de maille en l'air en fait. Espace intermédiaire, une bride. Dans les V, 2 brides. Espace intermédiaire, une bride. Dans le V, 2 brides. Une bride, 2 brides. On fait tout le tour comme ça. Pluto est donc terminé. Moi, je suis carrément fan de cette petite robe. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'à me la faire, encore que ça prendrait un peu de temps peut-être. Mais franchement, moi, je suis fan, donc on rentre tous les fils. On peut, si on veut, ajouter des accessoires, type ceinture, etc. Enfin, moi, je la trouve exceptionnellement jolie. Et plutôt simple à faire. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'arrivée de mes nouvelles vidéos. De temps en temps, je fais aussi des petits jeux concours. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!